Ah, Miwila Follower, bonjour. J50, l'aventure, ça continue. Aujourd'hui, une étape de 110 km pour aller direction Poitiers. Alors, je remercie la famille, donc à Thibaut et Thibaut lui-même, qui, grâce à eux, donc m'ont hébergé hier soir à Asnières-la-Giraud. Et du coup, là, je l'ai bien dit, et ça donne Asnières-la-Giraud-Roux. Allez, c'est parti pour l'aventure. On espère voir de beaux paysages. Et pour commencer ce matin, j'ai une pépite animalière, j'ai trouvé un insecte. Je te montre ça maintenant. Et voilà, j'ai trouvé un insecte incroyable. C'est Super Scarabée de Asnières-la-Giraud. Et c'est le scarabée qui court le plus vite de cette région. Incroyable. Allez, l'aventure, c'est parti. On y va, go! Allez, go! Il n'y a pas dû mettre une ficelle pour le tirer. Allez, c'est parti! Fin du tour de l'Europe en scarabée! Bon, bah, ça va être long. Allez, l'aventure, ça continue aujourd'hui. Évidemment, je me suis arrêté une petite pause chocolat qui était obligatoire car je vais te montrer avec qui je suis. C'est parti! Allez, ma roue, elle est ici. Et donc, je me suis arrêté à ce petit endroit obligatoire car j'ai trouvé une trotteuse. J'ai trouvé une trotteuse et je vais vous la présenter maintenant. Évidemment, vous la connaissez. Et c'est mon Thibaut en fait. Bonjour. C'est un trotteur et non une trotteuse. Bon bah merci mon Thibaut, tu vas m'accompagner donc ce matin sur quelques kilomètres. On va dire une cinquantaine de bornes à peu près. Essayer. Donc je vais être accompagné aujourd'hui de Thibaut avec sa trotte. Et on va se régaler. Bah merci à toi. Hein. Et puis bah merci aussi pour l'hébergement hier. Vraiment, vous avez été formidable. Tes parents un accueil d'enfer. Voilà, c'est des nouveaux tatas et des nouveaux tontons pour moi maintenant aujourd'hui. La famille s'agrandit. Et évidemment, on a un ami qui était là aussi ce matin pour boire un petit café et chocolat. Donc c'est quoi ton prénom, rappelle-moi? Maverick. Maverick, bah merci Maverick d'être là. Mais de rien. Et puis il y a une autre personne qui est à l'intérieur et qui est en train de prendre un chocolat pour moi. Et c'est la demoiselle là-bas. Alors normalement avec le P30 on peut faire un truc pas mal. Voilà, c'est la demoiselle devant là. Fais-moi un coucou. Fais-moi un coucou. Et voilà, c'est elle. Alors c'est quoi son prénom? Marie. C'est Marie, voilà. Bah merci à vous d'être là. Et c'est parti, l'aventure, ça continue. Un bon café. Et voilà, Marie est enfin sortie avec mon chocolat chaud qui est ici. Voilà. Bah merci Marie, super cool. Un petit coin de paradis. C'est parti l'aventure. Et une autre pépite animalière pendant cette aventure. Et ce sera une espèce de mille pattes. Allez, petite pause fruitière avec Thibaut. Ah.
Qu'est-ce que c'est ? Ah, elles sont bonnes. Qu'est-ce que tu manges ? Ah, des murs. Des murs ? Bah ouais. Mais je croyais que ça poussait sur les murs, moi. Les murs. Non, ça pousse sur un mûrier. Parce que j'ai un ami, il m'a dit que ça poussait sur les murs. Enfin, sur les ronces, quoi. Les ronces ? Bah oui, c'est des ronces. C'est des ronciers, alors. Ouais, ça pique. Ça pique. Bah, par contre, elles sont bonnes. Elles sont bonnes ? Ah ouais. Tu sais qu'avec ça, les digestions, des fois, c'est plus les mêmes. Hein. Ah, hey, que ce soit sur une roue ou sur une trotte, quand t'as un problème comme ça, t'es dans la merde, c'est le cas de le dire. Bah, bon appétit. Ouais. Allez, la pépite animalière sera cette fabuleuse menthe religieuse. Elle a changé de place. Salut, toi. Alors, comment ça se passe, le tour de l'Europe, à dos d'une menthe religieuse ? Quelle drôle de bébête. Allez, c'est la petite pause midi au Cerisa. Nous avons parcouru avec Thibaut ce matin 60 km et il m'en reste plus que 55 environ. Sa trottinette, elle est là. Et évidemment, lui, il a plus de batterie du tout. Il a tout usé. Bon, moi, il m'en restait pas beaucoup. Il m'en restait un petit 10%. Mais ça l'a fait, et là c'est parti pour boire un coup, tranquillement, c'est parti, go! Allez, on est en train de recharger pour nous aller manger sur la prise ici, au Cerisa. Et on est plutôt bien accueillis, n'est-ce pas mon Thibaut? Voilà, à quoi ça ressemble, un bon petit routier. Pour y manger confortablement. Allez, c'est parti, on va manger. Allez, on attaque l'entrée avec Thibaut. L'assiette à Thibaut. Et en plus, t'as bu de l'eau. Waouh. Bon appétit, mon Thibaut. Château la Pompe ouais, 2019. C'est du bon Château la Pompe 2019. Impeccable. Bah, bon appétit. Hein. Ouais, bon appétit à tout le monde. Allez, c'est parti. Allez, on continue l'aventure dans le repas. Avec une frite bavette. Allez, on va finir sur une petite note sucrée. Et le temps que je reçois mon dessert et que j'aille me laver les mains, eh ben, il y a Thibaut qui a déjà fini son assiette. Et donc, c'était quoi comme dessert ? C'est Annie d'Abeille, ça ressemble à une tropézienne. C'est sympa parce que je savais pas ce que c'était. Donc, du coup, je suis très content de l'avoir en image. Voilà, c'était un nid d'abeille. Allez, l'aventure, ça se termine là avec Thibaut. Merci, mon loup, de rien. Pour tout l'accueil que tu as fait, que tu m'as apporté toute l'aide pendant ce voyage. Pas de soucis. Et du coup, franchement, on s'est régalé. Alors, ça t'a plu ce matin, les petites étapes de 50 km tranquillement ? Mais grave, c'était bien. Il y a le retour à faire, tu vois, ça va être tranquille. Voilà, donc lui fait le retour. Aujourd'hui, il aura fait quand même une bonne centaine de kilomètres avec sa trotte. Comme quoi, la Dualtron Thunder, yes ! Mais grave. Allez, bien. Voilà, en tout cas, pour moi, pour l'heure, j'ai bien rechargé, j'ai bien mangé. Encore merci à la famille Thibaut pour l'accueil hier, voilà. Je ne saurais combien de fois le dire. Et pour l'heure, c'est parti, direction Poitiers, pour aller rejoindre donc une personne exceptionnelle qui va donc m'accueillir. Et on voit ça à la fin de la journée. C'est parti, go! Je n'ai qu'un au revoir, Thibaut. Je n'ai qu'un au revoir.
Allez, J50, l'aventure, ça continue, 6 pays, 6000 km, et tout ça, tu le sais, c'est en roue électrique. Allez, ici, là, incroyable, je suis tombé en panne de batterie, évidemment, mais c'est pas grave, car j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé. Donc, je suis en train de faire une recharge chez l'habitant, et je suis à Béruges. Il me reste environ 15 km pour rejoindre un wheeler qui va m'héberger, et c'est Cyril Potiron, je le remercie d'avance, et c'est parti, je vais te montrer où je recharge. Go. Et voilà, ici, je recharge chez ces personnes. Merci à vous pour l'accueil, vous m'avez vraiment rendu un sacré service. Tomber en panne à 15 km, c'est un petit peu moche, mais une chance de tomber sur vous. Je vais vous montrer où ma roue, elle recharge, immersion totale. Évidemment, j'aurais pas filmé si ça avait été chez les gens même, mais du coup, c'est un petit local cave, et ma roue recharge ici, et c'est parti l'aventure, ça continue pour aller rejoindre Cyril. J'attends toujours Cyril qui du coup devrait rentrer de ses matchs de tennis car il devait arbitrer des matchs de tennis. Et là ça fait quand même déjà 2 bonnes heures et demie je pense que je suis là. Et j'attends toujours Cyril, on va voir ce que ça va donner. J'attends, c'est parti. Bon bah voilà, j'ai toujours pas de nouvelles de Cyril, la nuit est vraiment bel et bien tombée. Comme je n'avais pour l'instant pas de batterie, en attendant, je me suis dit, on va sonner chez la voisine. Donc la voisine derrière moi, et ma roue, elle recharge chez elle du coup. Donc ça c'est cool. Et ben pour l'instant, on attend les nouvelles de Cyril, et on va voir ce que ça va donner. C'est parti. J'ai pas ma gueule. Allez, l'aventure, ça se termine ici. Et j'ai enfin retrouvé Cyril. Voilà, merci pour l'accueil. Eh ben, je t'en prie. Hein. Et puis, voilà, on va profiter de la soirée. Allez, voilà. C'est parti. Bonne nuit. Allez, Cyril m'accueille comme il se doit. Et il m'a fait super plaisir en m'offrant des galettes de Poitiers. Donc, la galette traditionnelle, évidemment. Et, mais encore, tadaaa, une superbe clé USB Iron Man. Et ça, je suis vraiment content. Ça me fait plaisir. Merci Cyril.